Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 21. Il est midi. Je suis rentrée hier, tu m'as vu dans le train à 20h30 et il se trouve que j'ai enchaîné pour la soirée d'extinction des feux de la caserne. Et ça veut dire qu'on est rentré à 23h30. J'avais horriblement froid. On a passé beaucoup de temps dehors parce qu'en fait à l'intérieur il y avait un DJ set, donc mon mec revient alors qu'il était parti, je ne comprends pas. Et il est reparti, donc j'en ai profité pour mettre mes petites boucles d'oreilles et commencer à préparer mon sac pour aller au marché. Wouhou. Donc on est rentré super tard, à genre 23h30 minuit, donc on était couché vers 1h du matin et j'avais vraiment besoin de dormir parce que les deux jours à Paris ils étaient intenses, ils étaient trop bien, mais on était sur une moyenne de 20 000 pas quoi. J'ai pu me reposer, je suis très contente, j'ai dormi jusqu'à genre 10h, même si c'était pas d'un sommeil tu vois d'une traite et tout, mais j'ai quand même dormi jusqu'à 10h. Après petit déjeuner au lit qui est genre mon activité préférée au monde, j'aime trop petit déjeuner au lit, et du coup je me suis préparée pour aller au marché. Du coup au marché je vais acheter quelques légumes pour tenir jusqu'à vendredi vu que c'est Noël bientôt. Moi je filme, on est samedi 17 et toi tu as cette vidéo, on est le mercredi 21, c'est ça, donc pour toi c'est Noël dans genre 3 jours. Pour moi j'ai encore une petite semaine à tenir avant d'aller en famille, du coup bah c'est quand même pas mal d'avoir quelques légumes. Après ça je vais aller récupérer des cadeaux sur le stand de Charline qu'on a aidé dans un vlogmas là pour faire ses infusions, je me souviens plus quel vlogmas c'était, et je vais chercher du pain à mes boulangers préférés les passants, mais vu qu'il est midi 10, c'est pas sûr qu'ils aient du pain. Ils se font très souvent dévaliser, surtout là c'est premier samedi de vacances. Donc je vais aller au marché et je voulais te proposer un bon plan que je viens de faire ce matin. C'est ma copine Suzanne que tu as vu dans les vlogmas 1 et 2 qui m'a envoyé ça sur Choose App en ce moment. Donc ça se termine le 21, ça se termine aujourd'hui la vente privée. T'as une vente privée de fromage J & Joy. Attends, je te montre. Du coup voilà, c'est sur Choose, t'as la vente J & Joy et c'est vraiment des super prix. Moi j'ai pris et je me suis dit que ce serait ma participation au repas de Noël chez ma mère pour le 24 et le 25. J'ai pris la méga box qui contient tout ça. C'est trop trop bien et du coup elle a 36€. Oui, bonjour. Non, Loïc, je... Merci, ça va. J'ai déjà commandé en fait et j'ai déjà utilisé le code de quelqu'un. Donc trop trop bien. J'ai vraiment regardé toutes les box et j'ai trouvé que la méga box était le mieux pour un beau plateau de fromage. Et j'ai pris pour me faire kiffer la candy box parce qu'il y a plusieurs bonbons que j'adore dedans. Donc je me suis dit que j'allais la prendre. Voilà. Et du coup je vois que j'ai ce code pour avoir 10€ offerts pour toi et je suppose que moi je reçois 10€ aussi, d'accord, ok. Donc voilà, si tu veux avoir 10€ gratuit pour ta première commande sur Choose, tu as ce code là, un petit peu compliqué mais note-le je t'en prie. Voilà, trop contente d'avoir commandé ça, comme ça moi qui adore le fromage je suis sûre d'avoir un plateau de fromage et de l'avoir en grande quantité pour pas avoir le seum, tu sais, que des non-vegans goûtent et genre disent bah je préfère le vrai fromage, parce que comme ça il y en a beaucoup, donc ça permet de tester, parce que je sais que moi quand j'achetais genre juste une bûche de chèvre vegan qui m'a coûté 10 balles, et bah j'avais un peu le seum que des gens prennent des morceaux et après sont en mode ah, ça a pas vraiment le goût de fromage. J'étais en mode bah frère ça m'a coûté 10 balles donc en fait la mange pas si elle te plaît pas, tu vois. Donc du coup là d'avoir un grand plateau ça me fait vraiment plaisir parce que du coup je serais en mode allez-y goûtez, si vous aimez pas c'est pas grave, il y en a d'autres. Allez on va marcher Lou, on arrête de parler. Bah, excuse-moi mais heureusement t'es revenu. Alors, ça c'est pour la mère de Léo, ça c'est pour la fille de mon beau-père, et ça c'est pour le papa de Léo. Ouais, trop bien! Et retour de marché! Attends, j'ai pas tout. Bon, les trucs de Charline, je te les ai montrés tout à l'heure. C'est vraiment trop bien. Je te remets le lien de Charline en barre d'infos. Bohème Plante Bio. C'est vraiment trop trop bien. C'est du coin. Elle fait de la vente en ligne et elle fait vraiment de très très bons produits. Toutes les infusions que j'ai goûtées, j'en ai goûté sur les 7 qu'elle a, j'en ai goûté 5. Elles sont toutes délicieuses. Elle fait des vinaigres médicinaux. Elle fait des eaux florales, des huiles. Enfin, vraiment, c'est trop trop bien quoi. Bref, je suis trop contente d'avoir rencontré Charline avant Noël pour pouvoir faire des cadeaux de Noël. En rentrant du marché, je suis passée sur un stand qui est un stand de Noël, une des cabanes de Noël, et c'était une dame qui faisait de la cuisine africaine et elle m'a montré les ingrédients de sa pâte à beignets qui était vegan. Donc j'ai pris des beignets pour ce midi qu'on va faire cuire. Il y a de la petite sauce, on va juste les faire réchauffer au grill. Il y a du chou, du plantain, du haricot, ça va être
trop bon. Ensuite, chez les passants, j'ai pris un pain au noix parce que c'est toute ma vie. J'adore le pain au noix et j'adore leur pain au noix. Et un pain d'engrain. Donc je suis trop contente. Je vais congeler le pain d'engrain, je pense, pour toute la semaine. Et enfin, chez mon petit monsieur, il s'appelle Alain. On va arrêter de l'appeler le petit monsieur. Ça fait 2 ans qu'on y va, on connaît son prénom. Et du coup, j'ai pris pas beaucoup de légumes parce que je te dis qu'on en a dans le congélateur et j'avais pas envie que ça se perde. J'ai pris 2 énormes poireaux qui vont faire largement assez. J'ai pris 4 carottes et j'ai pris des endives. Attention, unpopular opinion. Je détestais les endives avant de goûter celles d'Alain. Elles sont délicieuses. Les endives d'Alain sont trop bonnes. Et du coup, je leur en ai pris 6 belles endives de qualité. La dame est une influenceuse endive. Et bah, je vais ranger tout ça. Je vais faire chauffer au grill ça. Et on va manger. Ça va être trop bien. Vraiment, ce foulard que m'a offert mon papa, je suis refaite. C'est trop bon. Ok, les amis. Emma vient de m'appeler en FaceTime vidéo et m'a dit: pour le vlog, il faut que tu montres ton assiette. Non, mon bol. Mais tu montres aussi ton assiette et l'assiette de Lola alors, hein? Oui, trop bien. Ah, trop bien. 3, 2, 1. Oh, il est beau! Trop beau. OMG, j'ai fait du bon travail. Tiens, regarde Léo. Incroyable, trop beau. Trop beau. Ah, on a... Le petit dérapage, franchement, ça peut avoir l'air volontaire. De ce côté-là, on est sur une ligne parfaite. Ah, mais c'est trop bien. Et à l'intérieur, trop beau. Eh, je suis super contente. Les dames, à la caisse, il y avait des dames qui étaient en train de partir, elles ont dit: oh, regardez, c'est mignon ça. Oh. Elles ont montré ton bol. Trop bien. Ok, alors maintenant, ton assiette. Oh, waouh, Emma, mais quel talent! Une putain de star. Regarde-moi ce détail avec tous les petits points qu'on a rajoutés à la fin. Mais c'est tellement beau, Emma! Mais monte une boutique, hein, si tu veux te reconvertir à un moment donné. Est-ce que vous achèteriez mes produits, la communauté de loups? Parce que c'est peut-être le moment de me le dire. Peut-être que je vais faire de la peinture, en fait. Léo, toi t'achètes ou pas? Ah ouais, moi je valide, c'est trop beau. Je pense que je vais me faire toute une collection d'assiettes à dessert. Le prochain, faudrait que je trouve une insulte à écrire pour la prochaine fois. Et Lola. Ah, Lola. Ah. OMG, mais c'est super. Oh là là. Ah ouais, elle peut manger avec son reflet, quoi. Et mais l'arrière aussi est super réussi. Ah oui, vraiment, elle a ça parce que c'est super uniforme, en fait. Putain, bien joué. Bah en même temps, elle y a passé genre une heure. Peindre le fond en noir. La concu est éblouie, je pense. Sur le teint, j'étais super choquée parce que je m'attendais pas du tout à ce que les couleurs elles ressortent comme ça. Ouais, si, moi j'étais assez disposée et prête à ça. Je pense que j'avais bien envisagé le truc, quoi. Ah, c'est trop bien, bah hâte de la voir, hein. 29 janvier à la Coupe de France de hockey sur glace. Exactement, je l'emmènerai et je leur proposerai de jouer avec ce palais. How dare you? No, 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 my ball. Mangera des céréales dedans le matin. Pour prendre des forces pour aller avoir froid à Bercy. Trop bien. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais au Ecoamou. Donc nous sommes toujours pas propriétaires, attention, hein. On a eu l'offre de prêt il y a quelques jours. On est toujours pas sûr puisque les délais sont absolument insupportables et les propriétaires ne comprenant rien de ce qui se passe, ils peuvent tout faire capoter par incompréhension et par peur, en fait. Donc on est flippés de ouf. Ce week-end c'est full Ecoamou et je vais essayer de t'emmener un peu dans ça. Je suis pas du tout motivée, mais un samedi toutes les 3 semaines, on fait l'entretien du terrain au Ecoamou. On y va, en fait, on a un droit d'usage du terrain depuis un an et demi. On va sur le terrain toutes les 3 semaines et on s'en occupe. On a planté des fruitiers et tout et tout. Donc je me dis que je vais peut-être te montrer un petit peu. Je te ferai la visite officielle quand tu seras propriétaire. On croise tous les doigts, on touche tout le bois. Mais pour l'instant, voilà, je te fais un petit sneak peek. Je t'emmène avec moi. On fait ça chill, tranquille. Léo, il va préparer un festival de rap féministe parce qu'il est très stylé. Donc il vient pas avec moi. Donc j'y vais toute seule pour représenter notre foyer. Et j'ai absolument pas envie ou l'énergie d'aller dans le froid m'occuper d'un fucking jardin. Voilà. Mais on y va. D'ailleurs, quel est le programme? Veille des fruitiers, entretenir l'entrée principale, taille des buissons, tonde des espaces devant les maisons et des clairières si pas trop humide, débroussailler fauché autour du gros roncier pour le contenir. Je peux pas être malade d'un coup. Genre là... Oh, la mauvaise élève. Allez, on est parti. A few moments later. J'ai rarement été aussi peu motivée, hein. Parce qu'entre le froid, la fatigue, le fait que notre situation n'est pas régularisée, le fait qu'on va pas être nombreux, le fait que Léo vient pas pour me motiver, là vraiment, ouais, c'est compliqué. Ah là, je suis au top de ma sexiness. Ce vlogmas 21, on est sur loup sexy, là. Tu dis bonjour, Charlotte. C'est fou de... Magnifique, hein, vraiment. Non mais c'est quoi ces boules superbes?
Je viens de rentrer, il est 16h37. Vraiment, genre là, j'étais assise en train d'enlever mes chaussures, je me suis dit, ah bah Léo est pas là, il fait encore jour, bah je vais aller me mettre à mon bureau et je vais aller bosser. On est samedi, je suis insupportable, mais vraiment, genre déjà avec les vlogmas, c'est une forme de travail parce que bah, il faut que je vérifie les vidéos, faut que je te parle, enfin que je filme la vidéo, il faut que je fasse la pub de la vidéo tous les jours sur Instagram. Voilà, enfin, il y a déjà du boulot quotidien avec les vlogmas de toute façon, mais là j'étais en mode, tout à l'heure quand j'étais à table avec Léo, au déjeuner, j'étais en mode je vais prendre la journée off parce que demain je dois travailler. C'est dimanche mais il faut que je travaille demain de toute façon, je suis obligée, j'ai un tournage à faire qui est très important pour TikTok. De toute façon demain je bosse. Donc aujourd'hui je prends une fucking journée off, Lou. Mais ce cerveau là qui veut caler du travail partout, non, juste là c'est vide. Et c'est pour ça que je panique et je veux remplir avec le travail. Donc je me fais un engagement là, aujourd'hui je ne travaille pas. Très très peu, enfin voilà, je fais vlogmas quoi. Mais je ne fais rien d'autre, je ne vais pas aller à mon bureau. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ranger. Je vais centraliser tous les cadeaux de Noël à un endroit. Je me dis je vais peut-être les mettre sous le sapin, ça fait une forme de rangement, ce sera joli. J'ai la flemme de les emballer, ceci dit. Je vais ranger mon bazar d'hier, j'ai pas rangé mon sac de Paris, et en fait je vais me mettre, je pense, à faire des puzzles devant, enfin faire un puzzle que je te montrerai devant une vidéo YouTube, et je vais prendre un bain. Enfin, je vais attendre d'avoir très froid, et quand j'aurai très froid, je prendrai un bain pour me réchauffer de ouf pour la soirée. Et je vais juste me faire kiffer parce que je suis toute seule jusqu'à genre 1h du matin. Demain, on a l'assemblée du Ecohamo à 10h du mat, 10h30 en visio, ça va pas être fun du tout. Je suis co-responsable en plus, donc vraiment bof quoi. Donc aujourd'hui, ce soir, je me fais kiffer, et je me fais kiffer de ouf en fait. On est d'accord ? On est d'accord. Je m'engueule moins, hein. Je vous engueule pas vous. Vous faites ce que vous voulez. Juste, moi c'est hors de question. Et puis là, c'est quoi ? Je vais même faire une pause du vlog parce que cette batterie est en train de mourir et j'ai pas rechargé ma batterie de Paris. Donc de toute façon, là, j'ai besoin de prendre 2 heures sans rien puisqu'il faut que je recharge au moins une des deux batteries. Donc on se revoit tout à l'heure. Je viens de dévaler ma box YouGrow Jungle du mois de décembre et je suis tellement contente. C'est impressionnant à quel point elles arrivent en bon état. Bon, la lumière n'est pas très flatteuse, là elles ont l'air plus jaunes qu'elles ne le sont, mais elles sont trop trop belles, tellement en bonne santé, avec des nouvelles feuilles en cours, aucune feuille n'est abîmée, enfin c'est impressionnant. Alors la créatrice de YouGrow Jungle me laisse un code permanent sur la boutique, tu as moins 15% avec le code LOOPCHE15 dans mes souvenirs, je te confirme ça dans la barre d'infos, j'en ai déjà parlé je crois dans les vlogmas parce que, ah bah oui, on les a installés ensemble, on les a rempotés. Voilà, donc je suis trop trop contente. Elle a juste oublié une des fiches de la troisième plante, parce que t'as toujours dans la box 3 plantes et un accessoire, et du coup cette plante là qui est absolument dingue et très très lourde, et ben je sais pas ce que c'est mais elle est trop trop belle. L'accessoire c'est ce pot slash cache pot, parce qu'en fait il est doublé de plastique, donc ça te fait un pot en soie, c'est génial, je trouve ça brillant, donc tu rempotes la plante directement à l'intérieur, c'est vraiment très joli. En plus je suis trop contente, à chaque fois les accessoires que je reçois sont superbes. Et donc cette plante c'est une Monstera Silte Pecana, avec toujours les instructions derrière, et ici cette plante qui est vraiment franchement super jolie, hein. Beaucoup plus jolie en vrai qu'en caméra. C'est une Syngonium variegata, très 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 cool, je suis super contente. J'ai fait un partenariat TikTok Instagram avec YouGrow Jungle il y a genre 2 mois et demi, et depuis elle m'envoie une box tous les mois. Je lui ai demandé voilà si elle était ok de m'offrir 6 mois de box, donc 18 plantes, c'est énorme, et je lui ai dit qu'en échange évidemment je parlerai d'elle parce que je suis sincèrement convaincue que ce qu'elle fait c'est génial. Donc oui, j'ai un peu gratté, j'avoue, mais je suis très contente de faire des partenariats comme ça. Donc c'est pas sponsorisé mais c'est offert, et du coup je te mets le code en barre d'infos parce que c'est génial, tu reçois une box de plantes tous les mois, tu peux commander une box ou 3 ou 6 comme moi si t'es en mode allez je mets des plantes partout, et t'es en mode t'es sûr 6 mois ça fait 18 plantes, est-ce que t'es sûr de toi? Et je me suis dit bah ouais de ouf, je les offre au pire s'il y en a trop, et sinon je pense que bah là par exemple j'en ai mis 2, mais bah je peux en mettre une derrière, je peux en mettre 2 ici, enfin je pense vraiment qu'il y a moyen, avec 18 plantes pour un 60 mètres carrés, il y a moyen que ce soit pas non plus la jungle quoi. Donc je suis trop contente, donc c'est YouGrow Jungle, mais du coup tu peux juste te commander une box, 2 ou 3, et tu peux l'offrir, il y a des cartes cadeaux là actuellement, donc si t'es un peu en panne de cadeaux, on est le 21, t'es en mode ah, et bah tu peux offrir une carte cadeau sur YouGrow Jungle, et puis la personne s'achète la box qu'elle veut, parce qu'il y a la Baby Jungle, il y a la YouLearn Jungle, la YouGrow Jungle, en gros t'as pour les débutants, c'est celle que j'ai pris, YouLearn Jungle,
jungle, t'as que des bébés plantes si tu veux, et t'as pour les experts ou pour des gens qui s'y connaissent un peu plus. Et après t'as la végétalisation de bureau, enfin il y a plein, il y a d'autres options, mais la box je la trouve trop trop bien. Donc je te conseille, et puis c'est vraiment une meuf très stylée qui a lancé ça, passionnée de plantes. Elle m'a montré, les plantes sont chez elle, elle s'en occupe, elle envoie tout, enfin elle fait tout toute seule. Elle fait ça très bien, donc voilà, je le mets en barre d'infos si tu veux. Je te montre ma petite installation et mon puzzle. Déjà, le puzzle que j'ai commencé ça fait quelques jours, c'est celui-ci, c'est un 1500 pièces. Et en fait, j'ai bien fait de le prendre parce que je me disais, oh, 1500 pièces, franchement, c'est terrible et tout. Mais déjà, j'ai craqué sur l'illustration. C'est une vitrine de boutique de puzzle. On est quand même sur un niveau sacrément méta. Je trouve ça très stylé. Et en fait, je sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de gros détail en fait, et ça rend la chose assez facile. Bon, j'en suis juste à l'étape des bords et du tri des pièces, mais tu vois, on discerne très vite les motifs. Donc ça, c'est le nom de la boutique, ici c'est la pancarte devant, ici c'est les petites décorations. Enfin voilà, j'ai vraiment assez facilement finalement commencé à trier parce que les motifs sont assez faciles. Bon, là on a le problème des gouttières sur les deux côtés qui sont sacrément similaires, donc c'est un peu la panique là pour les bords, mais je m'en inquiète pas trop, je t'avoue. Je l'ai trouvé sur Vinted, j'espère qu'il est complet. Et du coup, je vais te montrer mon installation pour faire des puzzles. J'ai investi cette année dans un porte-à-puzzle de chez Jumbo. Et du coup, j'ai mis mon ordinateur là la semaine dernière pour regarder des vlogs en faisant du puzzle. Et je suis très contente de pouvoir faire ça ce soir. Ce porte-à-puzzle, je t'explique. En fait, je l'ai acheté sur les conseils de Julie de La Dernière Pièce, spécialiste en puzzle, qui en a testé plusieurs et qui conseille celui-ci par-dessus tout. J'ai pris le grand format justement pour pouvoir faire des 1500 pièces. Donc il est sacrément encombrant, mais il a l'avantage d'être tellement fin qu'il se glisse sous le lit, sous le canapé, etc. Donc c'est vraiment super pratique. Et du coup, tu as ce grand endroit pour faire ton puzzle, et après tu as deux petits plateaux comme ça que tu glisses. Je te fais toute la démo. Tu les glisses comme ça sur les côtés. En fait, ça a une matière, c'est un espèce de tissu un petit peu adhérent mais pas trop. Voilà, je fais attention avec délicatesse. Et après, tu refermes les bâtons dessus. Voilà, et ça va protéger parfaitement. Il y a un premier scratch ici. Et ensuite, il y a des scratchs en bas et en haut. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement pratique. Et tu vois, pas très épais, de la très très bonne qualité. L'inconvénient, c'est qu'il n'est dispo que sur un site qui est Amazon. Donc moi, j'ai suivi les conseils de Julie, qui elle-même est dégoûtée qu'il soit dispo que sur Amazon. Mais des fois, voilà. Et du coup, je me suis dit, allez, cette année, j'investis. Ça coûte genre 55-56 €. C'est un petit investissement pour faire du puzzle quand même. Mais je me suis offert ça parce que je me suis dit que ça me ferait kiffer et que ça me ferait faire du puzzle. Et j'ai eu raison. Parce que voilà, je peux faire du puzzle sur mon lit grâce à ça. Et c'est quand même vachement pratique parce que quand t'as pas une grande maison, tu peux pas avoir un endroit dédié au puzzle. Et moi l'année dernière, je me suis fait chier, enfin si tu vois les vlogmas de l'année dernière, je me suis fait chier à être sur un bout de carton qui était complètement gondolé, et ça m'a fait pas passer un bon moment premièrement, et ensuite ça m'a fait encombrer la table basse pendant des jours et des jours. Donc là, je peux y aller à mon rythme, et si je l'ai pas fini, ce qui est certain pour Noël, pour quand je pars, je vais à Madrid et tout, et c'est pas grave. Je peux le laisser là pendant des semaines et il bougera pas, et c'est ça qui est trop trop bien, et il gênera personne, et c'est ça qui est trop cool. Je vais donc aller prendre un bain, je pense. Ensuite, je vais me poser là avec mon dîner qui va être sans doute genre des gyoza de chez Picard, quelque chose comme ça. Et je vais regarder des vlogmas. Ça va être génial en faisant mon puzzle. Ça va être trop trop bien. Je te laisse. Je pense qu'il est temps que je prenne ma soirée pour moi. Il est déjà genre 21 h. Le temps est passé si vite. J'ai rangé, j'ai lancé une machine, j'ai traîné sur mon téléphone, j'ai fait un TikTok et un post Insta, je suis absolument incorrigible. Je n'arrive pas à faire la différence entre travail et loisir. C'est une catastrophe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas 21 jusqu'au bout. Ça passe si vite. J'avais tellement envie de prendre un petit temps pour genre revenir sur l'année ensemble et tout. Mais en fait, ça passe trop vite quoi. Je me fais rouler dessus et je pense que je suis pas sûre de pouvoir, avant le vlogmas 24, faire une rétrospective de ma vie, tu vois. Je pense que j'ai besoin des vacances pour ça en fait. Et du coup, ouais, je pense que ça va juste être
des vlogs sans trop d'intérêt à la maison, détendus. Enfin voilà, je pense que ça va être ça la programmation pour la fin des vlogmas, malheureusement. Rien d'extraordinaire. Bon allez, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas numéro 21 jusqu'au bout. Si t'as plu, n'hésite pas à liker, à commenter un petit sapin de Noël, petit emoji sapin. C'est un soutien énorme, surtout à la fin des vlogmas où il y a beaucoup moins de gens qui les regardent. En tout cas, si toi tu es encore là, je te suis extrêmement reconnaissante. Merci beaucoup beaucoup d'être ici, merci de me soutenir, merci d'être là juste pour me voir vivre. J'aime tellement vloguer, j'aime tellement ça que savoir qu'il y a des gens qui aiment me regarder et qui apprécient ces moments comme moi j'apprécie de regarder des vlogs de d'autres personnes, c'est énorme pour moi. Merci beaucoup, je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour le vlogmas numéro 22.